bout à ma vélo. À bout de mon cœur, il fend. Salam, inshallah. Oh, ma belle Maria, ben salam. Oh, Ave Maria. Nam alaykum salam. Yahweh Maryam, Uta Mabelu Om. Ave Maryam, Nam alaykum salam. La présence des Réunionnais d'origine comorienne à cette manifestation, c'est quel symbolisme? Nous vivons ensemble réunionnais, c'est important de connaître l'autre et il est important que la communauté comorienne soit présente puisque on sait très bien que les engagés comoriens, malbarés aussi, des Chinois, et donc c'est aussi notre histoire et qu'on doit la partager ensemble. Comment accentuer aujourd'hui un peu plus le vivre ensemble parce que les communautés ne s'ouvrent pas toutes de la même façon, comment faire en sorte que les échanges se multiplient et que le vivre ensemble s'intensifie? Mais c'est par ces manifestations, il faut, comme disait le président, inviter au maximum des communautés pour qu'on puisse dialoguer au niveau dialogue interculturel. Et c'est par ces manifestations-là qu'on va découvrir l'autre et en même temps s'approprier aussi notre histoire et améliorer le vivre ensemble réunionnais. Connaître l'autre, c'est ne plus avoir peur. C'est surtout ça, découvrir son histoire, découvrir ses origines, découvrir sa vie au quotidien. Et quand on se rend compte qu'en finalement on a pas mal de choses en commun, par exemple aujourd'hui, le Amine, c'est commun à toutes les communautés réunionnaises. Qu'est-ce qu'il faudrait faire un peu plus aujourd'hui? L'éducation, amener nos enfants à ces manifestations, leur faire découvrir ces diverses histoires de la Réunion pour que demain ils deviennent vraiment des citoyens réunionnais qui s'approprient ce vivre ensemble.